Les gens, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la forme. Alors, c'est la rentrée pour certains, mais pour d'autres, c'est encore les vacances, comme dans mon cas. Pour ce fait, je compte vraiment en profiter. Je compte vraiment en profiter. Alors, comment je compte en profiter? Donc, je disais que je compte en profiter en postant des vidéos chaque lundi, chaque samedi. C'est tout. Mais je te préviens, avant que tu lâches un pouce bleu ou que tu t'abonnes, je te préviens. Viens. Je te préviens. Ouais, c'est l'incroyable. Je te préviens. Non, on bat les couilles. Je m'en fous, frère. Je te préviens. Reviens, qu'à partir de maintenant, je mets le lien des films en description. Donc, je vous mets les liens des films en description. Ah, c'est ça, mon frère. Pourquoi te casser la tête si il faut que je te mette le lien en description? Chaque fois désormais que je vous parlerai d'un film, alors je vous mettrai le lien de ce film en description. Ah oui, les gars, la technologie vous facilite la tâche. Moi aussi. Ouais, l'incroyable. C'est bon. Les abonnés, ils approuvent. Pas de ça entre nous. Bon, les gens, on va commencer avec le programme de notre vidéo. Bon, je vous préviens. Si vous constatez que je regarde en bas, voilà. Je sais pas si vous voyez là. On m'en fout. Tout ce que j'ai préparé se trouve ici. J'ai pas eu le temps de mémoriser ce que j'ai écrit. Qu'une chose soit claire, je ne triche pas. Je ne triche pas. Ok? Je vous ai prévu cette fois-ci. C'est une très bonne chose. Alors, on va commencer avec un truc, un film qui s'appelle Kidnap. Kidnap, c'est un film très intéressant. D'ailleurs, vous allez le constater, vu que j'ai dit tout à l'heure, le lien sera bien sûr dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer là, vous retrouvez droit sur le streaming. Comme ça, ça vous facilite la tâche et tout ça, parce que des streamings bizarres. Kidnap, c'est un film qui parle plutôt d'une mère avec son enfant. Qui va aller dans un parc, l'enfant va se faire kidnapper par des gens tout à fait bizarres qui, d'après eux d'abord au départ, ne vont pas réclamer non, pour faire marcher la mer, un truc de ce genre, mais en France c'était une certaine organisation qui faisait un trafic d'enfants et tout. Je vais pas vous spoiler sur le truc, sinon il y a d'autres qui n'aiment pas de toute façon. Mais je vous dis, en quelque sorte, c'est comme un résumé et tout. C'est comme un résumé. De toute façon, c'est un très bon film, moi je vous le garantis. Cliquez juste dans le lien. Je vous écrirai. C'est intéressant. C'est un nouveau film, hein, de mai 2018 ou 2017, un truc ce genre. J'ai pas eu le temps de vraiment savoir de quelle année ce film a été réalisé. Ensuite, nous avons The Mirror. The Mirror, c'est un film intéressant aussi. The Mirror, j'ai bien kiffé. On était avec des potes là, on s'en jaillait sur le film. Le film parle d'un miroir qui rend plutôt fêlé en quelque sorte. Ce miroir là vous fait croire aux gens que vous êtes malade. Et vous-même aussi, si vous n'êtes pas assez vigilant, comme on peut dire, si vous n'avez pas les yeux grands ouverts comme ça, vous croyez que vous-même, vous êtes vraiment malade. C'est bien voir. Je vais jouer bien sûr sur la mentalité de toute une famille. Les garçons et une fille vont se retrouver après dans une famille d'accueil, un truc de ce genre. Le garçon va commettre un crime sans pourtant que les gens puissent comprendre que le miroir est à l'origine de tout ça. Film très intéressant. C'est moi ça. C'est moi ça. Le troisième film que j'ai prévu, c'est Breaking In. Oh, ce film, je l'ai grave kiffé. Pourquoi je l'ai grave kiffé? Parce que ce film, il sort un peu de d'autres films ordinaires, comme quoi, voilà, toujours plus détendu, toujours plus intelligent, tout ce genre. Mais ce film, on montre plutôt le côté réaliste. Voilà, c'est une femme qui va emmener ses enfants dans la nouvelle maison dont elle avait hérité. Son mari n'avait pas le temps d'arriver sur place dans la maison. Là, il y avait des gens qui étaient déjà là-bas, qui vont vouloir, bien sûr, prendre une certaine somme d'argent qui se trouvait dans la maison, mais ils ne savaient pas où. En les croisant sur place, ils vont s'en prendre à eux, tout en s'imaginant qu'ils connaissaient où se trouvait cet argent-là.
Donc voilà, il s'attendait pas à ça, un truc de ce genre. Et je vous conseille de le suivre. Ce film est intéressant. Intéressant. Vous allez trouver aussi le lien dans la description. Je sais même plus, on a quel numéro. Wesh. Ah, ok. On est à Firstborn. Firstborn, c'est une jeune fille qui découvre que voilà, elle a un certain potentiel, s'il faut le dire comme ça. Pour voir des trucs bizarres comme ça, qu'il va découvrir et ça va pas bien se passer. Comme partout d'ailleurs, aujourd'hui tu croises un gars qui fait des trucs chelous. Mon gars, je te dis pas que t'as pas à faire comme dans les films, voilà. Ne serait-ce un film. Un film où dans les dessins tu diras, oh c'est magnifique. C'est pas magnifique, pas du tout. Mon gars, tu le fouilles, tu le laisses là. Voilà. Donc ça va pas bien se passer pour la petite qui va savoir qu'elle a des pouvoirs et tout. Et je vous laisse sur le film, pas vous spoiler. Déjà, je vous laisse. De toute façon, il y a la fiche qui est là. Hein. Rien qu'avec le flair que vous avez, vous pouvez détecter la personne. C'est un truc intéressant. Voilà, on passe au suivant, qui est Poting. Il est plutôt dans un style réaliste. Donc, une famille va se rendre dans une maison pour les vacances. Arrivés, ils se rendaient pas compte qu'en fait, ils étaient filmés et espionnés depuis un bail. Un grand moment. Et ils vont se rendre compte sur place, parce que ces gens-là vont bien les massacrer, hein, s'il faut le dire. Je te spoil. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu sais pas comment ça se passe, donc t'es encore dans le suspense, mon gars. Calme-toi. Vu qu'on les connaissait assez bien, les caméras étaient partout, on les espionnait depuis un bail, et tout ça, ça sera tellement facile pour... Hein, va suivre le truc, comme je l'ai dit, sous la fiche est toujours là. Facile de pouvoir savoir si le truc est intéressant. Mais lui là, son affiche, il est tellement bizarre. On t'affiche que des pompées et tout. De toute façon, vous allez le voir. Bon, ça, tu peux pas vraiment savoir. un petit conseil, va suivre sûrement le truc. Donc voilà, les gens, je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, en fait, il y a le film Halloween qui est sorti récemment. Halloween, c'est intéressant plutôt. Mais celui-là, je vous mettrai pas le lien en description. Parce que tout simplement, il est encore de mauvaise qualité auprès des gars, des streamers. Ah ouais, la qualité n'est pas encore assez bonne. Moi, j'aime pas vous donner des trucs de qualité bizarre et tout ça. Je vais vous donner un truc pro. Mais sinon, prochainement, je pourrais vous mettre le lien de ce film en description, hein, si vous êtes intéressé. Sinon, les gars, c'est bon, hein, c'est bon, c'est tout, quoi. Tu t'attendras comme un film. C'est tout, c'est bon. Voilà. Bon, la vidéo, elle touche à sa fin. Hein, et sinon, tu peux toujours liker, tu vois le petit gars en bleu là, tu le likes, tu appuies dessus, c'est pas encore bleu avant que tu likes, mais tu likes, et il sera bleu, vas-y, c'est un tour de magie incroyable, tu appuies sur le bouton, c'est sous cette forme là, tu appuies dessus, ça deviendra bleu, le tour il marche, tu verras, et ensuite tu t'abonnes, tu peux le partager, et fais-le, je te préviens, et cherche pas que je te prévienne vraiment, je te préviens, non, je te préviens seulement. On est pote. Allez, vraiment les gars, je trouve la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé et que je me suis amélioré le style de vidéo. Vous me dites hein, si je me suis amélioré ou pas. Mais je pense que j'ai vraiment donné. Hein, j'ai vraiment donné à fond, les gars. Tu sais pas quelle heure il est chez moi. Hein. Tu sais pas quelle heure il est. Et moi, je dors pas. Je dérange les voisins. Je crie comme un ouf. Je fais des trucs de malade. Juste pour que la vidéo soit parfaite. Là, je profite avant la rentrée. Ok. Prends soin de toi.